Jeudi à 20h, soirée cinéma exceptionnelle sur FR3. Le Docteur Jivago, le grand film de David Lean, d'après le chef-d'œuvre de Boris Pasternak, prix Nobel de littérature. Omar Sharif. Julie Christie. Géraldine Chaplin. Alec Guinness. Le Docteur Jivago. N'oubliez pas, jeudi, votre soirée commence à 20h sur la 3. Une cervelle d'oiseau, c'est largement suffisant pour comprendre que les stores Franciaflex rendent le soleil plus doux et la vie plus belle. N'est-ce pas, monsieur l'oiseau ? Store Franciaflex. La vie protégée. Pour découvrir les qualités de cette brosse Blindamil, regardons sa petite tête de près. Elle est conçue pour aller vraiment partout. Ses brins resserrés brossent l'émail efficacement et leurs bouts arrondis respectent la gencive. C'est une petite tête bien faite. Brosse à dents Blindamil du laboratoire Blindapharm, la petite tête bien faite. Hello, de Lou. De Lou. Alors, c'est un cookie français. Hello, le cookie made in Lou. Tudum, 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 tudum. Oh, tudum, tudum, tudum. Sharp, une touche de génie. Il est grand, le petit Ripose. La Rover 800 s'ouvre au monde. Sur la Starring Option Pack, mousse de noyer, cuir Connelly, air conditionné, freinage ABS, et un tout nouveau moteur injection. Rover 800, le savoir-vivre. Quatre versions de 111 000 à 191 500 francs. Vaza, 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 vas-y, vaza. Seigle, seigle, vas-y, vaza. Vaza, seigle, le goût de la forme. Inventeur du compact disque, Philips vous offre aujourd'hui la mémoire du son, le système de programmation FTS Philips. Vous pouvez ainsi mettre en mémoire pour chacun de vos disques votre sélection de plages favorites. Et le lecteur rejouera automatiquement votre sélection chaque fois que vous voudrez l'écouter. Le compact disque de Philips. Philips, c'est déjà demain. Mais c'est un petit pingouin timide, ça. Plus haut, le pingouin, plus haut. T'es pressé, t'as rancard? T'es culotté, toi. C'est à moi que tu rêves, petit pingouin. Pingouin, viens que je t'enlève. Collant pingouin, ça marche tout seul. Moi, je suis la fraise. Et moi, le cassis. Nous sommes les fruisanes. Les fruisanes de la tisanière, ça infruise. Parce qu'il a un secret, le fouet de Paul Prideaux est inimitable. Le savourer, c'est... une révélation. Le fouet de Paul Prideaux. Vendredi 21h30, Portrait, le magazine de l'information de la 3. Cette semaine, portrait d'un comédien, Jean Le Poulain, administrateur de la Comédie Française. C'est une très grande force, beaucoup de caractère à ce point de vue-là, et que je ne suis pas sensible ni à la critique, ni à l'insulte, ni à l'injure. Portrait, vendredi, 21h30.
Jacqueline Alexandre, soir 3. Vatican, le pape Jean-Paul II dit non aux bébés éprouvettes, même entre époux. France, désarmement, le président Mitterrand redit oui à la négociation entre Américains et Soviétiques, mais la force de frappe française n'est pas négociable. Bourse de Paris, pour les agents de change, le monopole, c'est terminé, place aux banquiers d'affaires. Enfin, à Strasbourg, ce soir, grand concert du groupe Hard Rock Status Quo, ce sera exactement comme si vous y étiez. Bonsoir. Le Vatican a dit non aujourd'hui à toute fécondation in vitro, y compris entre époux, estimant que l'homme ne doit pas se substituer à Dieu pour contrôler le don de la vie. En fait, c'est une sorte de retour en arrière au moment où certaines institutions religieuses semblaient s'orienter vers des attitudes légèrement permissives. Jean-Pierre Quinson. Un non franc et massif. Le document présenté par le cardinal Ratzinger au nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi et approuvé par le pape ne fait aucune concession aux techniques d'aide à la procréation.